tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un retour de course Intermarché. Bon, j'en ai pas eu pour beaucoup, mais bon, je vais faire quand même le retour là, comme ça au moins ce sera fait. Donc, nous avons pris des tomates. Donc, les tomates étaient à. J'ai pris 1,20 kg et donc j'en ai eu pour 3,23 euros. Ensuite, j'ai repris des bananes comme ceci. Donc oui, je disais, j'ai pris des bananes comme ceci, donc j'en ai pris 1,75 kg et j'ai payé 3,48 €. Donc il y en a pas mal, il y en a 2, 5, 10. Ensuite, j'ai repris des concombres, donc les concombres étaient à 1,09 € et j'en ai pris 2, pardon. Ensuite, bah, je ne sais pas parce qu'elle m'a mis ces kiwis-là, alors qu'à la base, je n'ai pas demandé ceux-là, j'avais demandé les autres. Donc, je ne sais pas du tout. Donc, ce que j'avais demandé était à 2,99 €. Donc, je ne sais pas. Voilà. Ensuite, j'ai repris des avocats comme ceci. Donc, c'est les avocats premier prix. Hein. Donc, il y en a 3 dedans. Donc, j'ai payé 1,79 €. Ensuite, on a repris des pommes comme ceci, bicolores. Il y en a 2 kg dedans et donc ils étaient à 2,99 €. Ensuite, j'ai repris une laitue comme ceci avant que les laitues du jardin arrivent. Hein, je ne sais pas quand est-ce qu'elles vont arriver. Donc, elles étaient à la salade était à 1,39 €. Ensuite, j'ai repris donc, 3 baguettes comme ceci. Voilà. Excusez-moi pour le bruit, c'est monsieur. Donc, elle est à 0,39 €. Ensuite, on va passer aux produits laitiers. Donc, j'ai pris une bûche de chèvre comme ceci de la marque Pâturage, le Saint-Marmor. Donc, la bûche de 200 grammes était à 2,19 €. Ensuite, j'ai repris des yaourts à boire comme ceci pour les loulous. Donc, j'ai repris fraises, framboises et vanille. Donc, je ne vous fais pas voir. Je peux vous faire voir, donc fraise, framboise et puis vanille, mais bon, vanille, elle l'avait mis dans le paquet avec la salade, donc le paquet est un peu abîmé. Donc il y en a 4 dedans de la marque Pâturage aussi, et donc elles étaient, alors, la framboise est à 1,56 €, la fraise est à 1,43 €, et la vanille est à 1,68 €. Je ne savais pas qu'il y avait des différences de prix selon les goûts, mais bon. Nous ici, Evan, il aime bien la vanille et Irina, elle aime bien la fraise. Donc voilà. Ensuite, j'ai repris un paquet de yaourts comme ceci. Donc de la marque Pâturage aux fruits mixés. Donc il y en a 12. Et donc le paquet était à 3,29 €. Ensuite, j'ai repris de la brie. Ah ouais, du brie, on m'a dit de dire du brie. Donc, j'ai repris du brie. Donc, 500 grammes et il était à 3,20 €. Ensuite, j'ai repris de la mimolette, mais c'est pareil, le paquet est sale du coup, du fait qu'elle a mis la salade dedans. Donc, le paquet de mimolette était à 2,83 €. Ensuite, j'ai repris donc des cookies pour les enfants. Comme ceci, donc de la marque Top Budget, donc il y en a 12 dedans. Et donc ils étaient à 0,70 € le paquet, j'en ai pris 2. Ensuite j'ai repris des galettes bretonnes, pareil pour les loulous, parce que le matin bah, c'est soit céréales, Irina elle aime bien des fruits, ou alors elle change, donc du coup j'avais plus du tout de gâteau pour le petit déj, donc j'ai repris ça. Donc j'en ai repris 3 paquets, ils étaient à 0,67 €. Ensuite, j'ai repris des petits beurres comme ceci. Pareil, il y en a 24 de la marque Top Budget. Et donc, ils étaient à 0,78 € le paquet de petits beurres. Ensuite, pour faire plaisir aux loulous, j'aurais pris des bonbons comme ceci. Donc, c'est rare que j'en prends, mais là, bon, il n'y a plus rien dans les stocks. Hein, ils ont tout fini. Donc, du coup, voilà, j'ai voulu voilà, leur faire plaisir. Donc, les paquets de Haribo que je trouve. Donc, c'est des paquets de 300 grammes. Il était à 1,61 €. Ensuite, j'ai repris des Tagada comme ceci de la marque
Haribo aussi. Ah, là, il y a une promo de sûr. Donc il y a 400 grammes et elles étaient à 1,89€. Et j'aurais repris des bonbons comme ça parce qu'ils adorent ces bonbons-là. Donc de la marque Top Budget. Et donc ils étaient à 1,95€. Ensuite, bah, je crois qu'après c'est tout. Je vous dis, il n'y a pas grand-chose. Hein. Ensuite, on a repris un pack de 4 bouteilles de jus de pomme parce que le matin, ils aiment bien boire du jus de pomme. Et donc, de la marque Paquito. Et le pack était à 3,75€. Donc voilà, donc j'en ai eu pour un total de 50,35€. Bon, ça, c'est la pointe pour la semaine prochaine, la semaine qui va arriver, en fin de compte. Parce qu'il ne fallait pas vraiment grand chose, c'était beaucoup des produits frais et des produits laitiers, quoi. Sinon le reste on a. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée, j'espère que ce retour de course vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, d'activer la petite cloche et de vous abonner. Et moi je vous dis ciao.